Hello les gamers et gamers, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty. Bienvenue pour un nouvel épisode de God of War en compagnie de Kratos et d'Atreus. Aujourd'hui, on va essayer de terminer la libération de la chaîne, parce qu'on avait commencé la dernière fois et tout, on avait fait le tour, et on est toujours bloqué ici, mais pas de panique. Il y a moyen de s'en sortir, comme toujours. Par contre, l'avers média, est-ce que tu peux arrêter de ramer, s'il te plaît? Regarde. Merci. Si ce n'est pas utile, alors là, touche il rame pas. Un petit peu, l'avers média, il fait chier son monde, ça y est, ça commence. Alors, tout à l'heure, pour le recording de Zelda, ça a très bien marché, mais là, je sais pas ce qui lui arrive. Hein. Franchement, c'est chiant. Je pense que je vais arrêter l'avers média, je vais prendre la Mirabox. Avec Mirabox, j'ai jamais eu de problème, à part pour un seul problème, c'était... des fois ça marchait, des fois ça marchait pas à un moment donné, et puis j'avais trouvé les solutions pour... Et je voulais prendre la VAR Media pour plus de fluidité et tout ça, mais non, en fait non. C'est vraiment tout le contraire. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on va descendre. Il y a un truc à faire ici. On devrait rester. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen. Ou c'est pour revenir en arrière là? Non, c'était pour revenir en arrière. Est-ce qu'on vient d'où là? On vient de là-bas, il me semble. Bah, on vient d'ici, ouais. Ouais, ça vient. On vient d'ici. Ok. Comment on pourrait faire? Parce que là, il y a un gros rocher qui fait chier son monde. Donc, à mon avis, on va devoir aller là-haut. Donc, on va aller là. Est-ce que je peux y accéder? Elle est où la chaîne? Là. Donc, on récupère la chaîne. Là, il y a des rails. Alors si je me souviens bien, il y avait bien un chariot à faire. Alors, il fallait utiliser le chariot qui est là. Ah, mais à mon avis, il faudrait ouvrir ici, en fait. Ça, il faut pas les péter. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire ici avec le chariot. C'est... Non, redescends. Putain, je vous jure. Voyons voir si on peut faire quelque chose avec le chariot. Parce qu'à mon avis, il y a un truc à faire ici, c'est sûr. On peut pas aller. Non, je peux rien faire avec ça. Apparemment, c'est pas là. Non, 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 merci. Alors, je veux qu'il arrête, il veut pas. Alors, pas envie, je crois. C'est... Ou alors, c'est pas mon jour, je sais pas. Je me pose des questions, là. Alors, ça, c'est raccordé où? Parce qu'à mon avis, on va faire quelque chose ici. Non, là, y a rien, non. On va aller là-bas. Si je vais là-bas. Ça fait juste passer l'autre côté. Donc j'ai accès à là. Ah, mais il fallait tirer dessus peut-être. Ah bah oui, c'est ça. C'est logique. Et là, on descend. Descend. Il a pas envie. Hein. Ah, la reprise de God of War, Kratos, t'as pas envie. Ok, bah, t'es pas content de me voir, bah, mon petit père, t'auras pas trop chaud. Du coup, on va aller de l'autre côté. Enfin, tout à l'heure, j'ai flippé un petit coup, j'ai cru que... Zelda n'avait pas de son, pas de micro, ni rien. En fait, c'est juste que j'avais mis à un moment donné voice meter et en fait, ça m'a foutu n'importe quoi. Du coup, j'étais pas sur le bon canal audio. C'est des choses qui peuvent arriver.
Mais bon, ça fout quand même les boules. Hein. C'est vraiment. C'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais fait The Last of Us et il n'y avait pas mon micro. Il s'est passé pas mal de choses avec l'Avermedia, mais c'est vraiment chiant. Donc voilà. L'Avermedia, franchement, je suis un peu déçu. Je crois que je me suis foiré. Parce que c'est là qu'il fallait que j'aille. Bah oui. On pourra retourner là-bas. Il faut encore dégager la corde. Tu crois que tu peux utiliser le chariot pour nous faire monter? C'est ce que j'essaye de faire, en fait, j'ai fait une connerie. Donc on va faire ça. Voilà. Impeccable. Ensuite, par là. Je crois que c'est là-haut. On fait un peu partout, hein, avoir un peu de vie quand même. Parce que là, je vois la barre de vie. C'est un sacré pet. Donc là, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'aime bien les jeux d'aventure. J'aime bien. Ça, c'est bon, ça. Piqué de faucon, invocation runique. Invoque une volée de faucons spectraux qui fondent sur l'ennemi. Ah bon? Colère du loup, c'est mieux, je trouve. On verra bien avec le temps, mais je crois que c'est colère du loup, c'est le meilleur pour l'instant. Tac, tac, tac. On brise tout, là. Ouais. Sans pitié. Y a pas de pitié avec Kratos. Donc du coup, ça, non, les chaînes, on les fait descendre, en cas où. Là, il y a un truc de vie. Et Oh, là, il y a ça a le l'air gros lourd. rocher. Allez, monte ta puissance, Kratos. Impossible. Allez. Allez, Kratos, allez. Tu peux le faire. Sacrée On puissance quand même. réussit! On peut J'adore. utiliser la poulie! Elle nous aidera peut-être à arriver en haut! Eh ben tant mieux! Au moins, ça c'est fait. On peut avancer. Allez, go! Oh! Oh là, un troll! Alors, j'ai fait une connerie. Pour le bas de lui, ça va être une merde. Ouh, il fait mal. Ouh, il fait mal. Est-ce que je peux geler sur notre jambe? Parce que là, il y a une jambe gelée blanchâtre là, mais. Normalement là c'est simple. Si je prends bien mes distances. Si je prends bien mes distances, ça va aller. Si je les prends pas, ça va pas le faire. Allez, là ça trompe. Voilà. Oh, on m'attaque par derrière. D'accord, ça pique. Ça faisait longtemps quand même, ça pique. Je fais comment pour prendre mes soins bon. Alors. Bande de sagouins là. Lui il est mort. Lui. Allez. Par contre pour m'attaquer par derrière par Je préfère qu'on m'attaque par devant, au moins je vois la cible, mais là, par derrière. J'ai une horreur. Ah, faut que je tape dans sa tronche. Oh là 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 là, putain.
me soigne. Ça je voulais faire mais bon voilà il va se prendre les dégâts je m'occupe des petits mobs là et je m'occupe du gros qui fait très mal encore ça va pas me plaire. Il faut du soin là, il faut quelque chose, putain. J'arme foutre. Ouais bah. Merde, j'ai pas eu le temps, j'aurais pu faire ma pierre. Non, c'est bon? Eh non, c'est pas bon. Au mauvais moment, putain. Putain. Eh, j'étais à la fin quand même, hein. Franchement. Putain. Je suis dégoûté. Ouais, on redescend. Lui, il faut que je rebatte. Espèce d'enfoiré. Mange-toi ça. Et ça. Allez, on y fonce, on fonce. Dans la tronche, comment ça c'est fait? Allez, encore une fois. Je pense que c'est le mieux en fait. En fait, il a une faiblesse vu sa jambe là. C'est ce que je suis en train de voir. Je pense. Là, il a la moitié de sa vie. Je vais essayer de finir tranquillement. Aïe! Je vais devoir me barrer. Eh bah oui, bah oui, bah oui, bah venez me faire chier. Foiré, là. Ils font mal les sagouins en plus. Putain, c'est une blague. Faut que je fasse des petits mobs à la con. Si je me loupe aussi, ça va pas le faire. Je passe par là. Parce qu'il y a les mobs qui arrivent en plus. C'est bon, j'ai pris la moitié, même pas. Mange pas ça, mon copain. Putain, mais il y en a partout en fait. Lolo, putain. Je suis vraiment dans la merde. Faut que je fasse le tour. Faut que je fasse quelque chose. Ça va le faire. Je fais ça à chaque fois. Par derrière moi, il n'y a rien. En fait, il faut faire du distance. Il faut faire de la distance, en fait. Alors, pas trop. Pas trop avoir le choix de faire ça. Hein, de ouais, c'est manger des dégâts. Bien fait pour ta gueule. Voilà, lui, c'est fait. Alléluia. Il y en a encore un ? C'est une blague. Non. Oh non.
l'instant c'est pas bon. Oh là là, j'ai failli me... me foutre en danger. Allez, mange-toi ça. Ouh. Le troll il est mort. Allez, ça c'est fait. En deux fois quand même, hein. Putain. On retourne à la poulie. Allez, on récupère tout. On a eu quoi? Flot de lame. Attaque runique puissante. Attaque destructrice qui lance une rangée d'éclats de glace infligeant des dégâts de givre et projetant les ennemis touchés. Ça pourrait être intéressant quand même. Je peux pas m'en équiper? C'est quoi cette connerie? Pourquoi je ne peux pas m'en équiper? Bon, tant pis. Pourquoi? Par contre, je vois qu'il y a des trucs à faire ici. Donc, niveau armure et tout. Non, ça on s'en fout. Ça. Je le mets. Compétences. Alors, pour la hache Léviathan, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Bonne question, ça. Explosion de givre précise. Ouais. Tracker. Visez et maintenez R1 pour sélectionner 3 cibles sur un ennemi ou une cible sur 3. Ouais. En gros, ça fait quoi? Moi, ça pourrait être bien. Ir du Léviathan. Lors d'un sprint, appuyez sur R2 pour faire tuer. Ouais, ça, c'est le must. Est-ce que j'ai assez pour ça? Oui. Nécessite vitalité. Bourrasque de givre. Lors d'un sprint, appuyez sur R1 pour... avec une... pour effectuer une attaque sautée. Ok. Ici, c'est bon. Ouais, ici, c'est bon. Atreus. On va faire tandem. Atreus aide Kratos lorsqu'un ennemi est dans certains états de vulnérabilité lorsque son père est attaqué. Ok. Les armes. Bon, colère du loup, je le garde. Ça. Poignée de rétablissement lesté, force vitalité 8, chance. C'est celui que je suis équipé. Pourquoi il me... Je suis beau, il m'a... Ok. Ça sert à rien. Flamme de glace, légendaire, cet élément extraordinaire renferme la rage de feu et le calme de la glace. Généré lors des combats épiques, il permet d'améliorer la hache Léviathan. Oh! Une amélioration? Alors, à mon avis, c'est pas pour maintenant. À mon avis, je peux pas m'en servir. Ouais, je pense que c'est pas pour maintenant. À mon avis, il faut que j'aille voir les frères. Les deux frères, non, là. Du coup, alors, la poulie, elle est là-bas. On y va, let's go. On perd pas de temps. Ça fonctionne. Bah oui, on a fait le nécessaire. Pourquoi ça fonctionnerait pas? On a récupéré la base. Merde. Et ça recommence. Alors ça, c'est ma faute. Je sais pourquoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je dois faire avec cette fameuse pince? Ouais. Ah, faudrait que je récupère ça, non? C'est pas ça? Va nous falloir quelque chose pour entrer. Je sais pas du tout, là. Je vais faire quoi cette fameuse pince? Ah, à mon avis, c'est pour le chariot. Ah bah oui, c'est ça. C'est pour le chariot. Bah oui. C'est tout con, en fait. On va juste changer de rail. Bon bah, let's go. C'est tout con. Voilà. Ça marche, c'est parfait. Hé, hey, à
Attends-nous. Ah, mais je suis con. Putain, je devais monter avec, non? Ah, bah oui. Je pense que c'est ça. Je pense, on va voir ça. Hein. Peut-être que je me trompe. Bon, on va faire ça. Ça devrait tenir. Je pense que c'est ça, en fait. J'aurais dû partir avec. Non. Et ça. Allez, on voyage. Bah, ça nous fait un ascenseur, en fait. Ça va nous emmener jusqu'au sommet. On le saura bientôt. Impeccable. En 20 minutes. Enfin, 21 minutes, pour être précis. J'ai une drôle d'impression. On se dirige on aura fait ça, quand même. Ne t'occupe pas des possibles. Concentre-toi sur l'instant. Et sois vigilant. Oui, père. Je sais même pas si on est encore au début de l'histoire ou au milieu. On n'arrive pas trop à distinguer. Bah, pour ma part, je n'arrive pas à distinguer en fait. Je pense qu'on est qu'au début. Attends, en fait. Celle-ci est intacte. Il y a un message. Une prière de géants. Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux. De leur montrer le chemin du retour. Atreus. Attends! Je crois savoir comment ça marche. Suffit de l'allumer, c'est tout. Regarde. Je sens qu'il y aura un boss. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je me trompe. Hein. Ça, c'est magnifique, je trouve, quand même. Tu écris. Je leur ai demandé de veiller sur maman. Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet? Viens, mon garçon. La route est encore longue. Qu'est-ce que c'est magnifique de voir ça, hein, entre un père et son fils. Ah, putain. C'est magnifique, je trouve. Au cœur de la montagne, atteindre le sommet. De toute façon, c'est la quête principale. Ah, recule. Ah, d'accord. Il y a des pièges. Par contre, j'aimerais savoir s'il y a des trucs à récupérer. Parce que là, il y a plein de boîtes. Donc, s'il y a de la vie, à la rigueur, ça serait bien. Mais apparemment, non. Ah, de l'argent. Ok, bon. Le tunnel, Atreus. Attends. Sois prudent. Voilà, c'est mieux. Déteste. Les nains ont dû creuser ces tunnels pour contourner les pièges des. Alors, 1, 2, 3. Enfin, pas de chance pour moi en tout cas. Ouais, bah c'est tout con en fait, c'est des petits tests à la con. Des petits pièges à la con. C'est pour tester. Comme dit Kratos, c'est pour tester. Oh oh. Oh, pourquoi? Ça ne sert à rien. Bon, ça, j'ai compris qu'il fallait faire. Hein. Oh, 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 oh. J'aime pas ça, le comité d'accueil. Il y en a d'autres ou pas? On récupère, hein. Vaut mieux. Santé, argent, ça va me servir. Il y a un coffre en haut. J'ai l'impression, je sais pas. J'ai l'impression. C'est plus qu'une impression en fait. Oh 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 oh. Voilà. Merde. Tu meurs. Je m'en fous. Voilà, c'est un coffre. Eh ben voilà. Impeccable. On gagne un coffre. Alors on a quoi dedans? Épaulière de concentration plaquée, objet rare, protection du torse, armure robuste qui favorise la récupération. Eh ben on va le récupérer, on va se le mettre. Défense récupération, impeccable. Oh, stylé je trouve.
Par contre, j'ai pas cette force, j'ai l'impression. Sur la fiche de Kratos. Alors, attendez, on va voir ça. Force 56, rune 6. 52 de défense, vitalité 15. Oula, vitalité, pas grand chose. Y a pas grand chose. Cœur fragmenté d'Alfheim. Ouais. Plutôt celui-là. On aura un peu plus de vitalité déjà. 19, c'est déjà pas mal. Chance. Ouais, je sais pas si ça sert à grand chose. Je pense que oui, hein, tout sert. Mais moi je dirais plutôt pour Baldur's Gate 3, pas mal de chance quand même. J'aimerais bien le faire en vidéo, tiens. Baldur's Gate 3 ou en live un soir. Il faudrait que je le récupère un jour ce jeu. Ça peut être super fun à faire en live avec vous, les amis, ou en let's play. A voir. On est encore trop lourd? Bah, ce qui bouait. Ce qui a bouait. C'est bon, on monte à nouveau. Pourquoi pas faire un Baldur's Gate 3? Jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Mais pas pour cette année, je pense. Parce qu'il y a encore un peu de bugs, mais c'est pas ça le problème, c'est que le programme pour fin d'année est déjà assez complet. Donc voilà, il y a déjà un best-of qui va être en cours de préparation prochainement. Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Programme, tu sais, pour un bon programme qui que je mettrai en poste. Un bon service, et ça nous permet. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se concrétiser. Serveur Discord, on en parle et on va aboutir prochainement. On va le commencer prochainement, je veux dire. Parce que aboutir, c'est le final. Voilà, c'est fait. C'est bon, il a plus. Je l'ai claqué pour rien. Non, je pense pas quand même. Je l'ai claqué pour une bonne cause. Ma rage. Oh, ça part en couille. What? Oh là! J'ai connu tout d'accueil. Allez, un qui s'est cassé, le deuxième avec. Toi c'est fait. Meurs. Et il y en a d'autres qui arrivent. Meurs. Toi là. Toi je t'ai vu. Toi tu vas mourir. Toi t'es mort. Ouf, de justesse. Et ben voilà. Et ça, c'était amusant. Oui, je devrais plus m'inquiéter. Est-ce que c'est là qu'on descend? Non, nous sommes bloqués. Ah. Bah du coup, il faudrait monter alors. Je crois que l'élévateur est coincé par ce mur. Tu peux le dégager? Ah, quoique, non. Allez, c'est parti! Par la puissance de Kratos! Demi-dieu! Oh, non, dieu tout court, il me semble. Alors, je sais plus, ça y est, je pense, j'ai un trou de mémoire. C'est horrible. Je ne sais plus à force. Où on doit aller? Je n'en sais rien. Tu crois qu'il y aura d'autres attaques? Sans aucun doute. Oh non. Si. Alors tiens-toi prêt. Un autre comité d'accueil. Lui s'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il fait mal lui. Oh, oh le bordel. Ah.
Fortnite. Là, je vais mourir, je vais mourir. Oh putain. Ça, ça me plaît pas, ça. Ça, c'est chiant. On prend son budget et tout, c'est horrible. Santé. Mais c'est putain. Mais il roule, merde. Je sais pas. Quelque chose, Kratos. Bah voilà. Kratos ne veut pas rouler. Et ben, hop là. On va devoir claquer ça. Enfin. De ma full life, s'il te plaît. Toi, meurs. Tu m'as saoulé. Toi aussi. Voilà. Toi, je t'ai vu. Meurs. Meurs instant. Toi. Ah, j'ai la chance de faire un pas de français et c'est chiant. Oh putain. C'est une nuisance sonore, mais horrible. J'espère que de l'autre côté vous l'entendez pas trop, mais bon, je pense que oui. Ça marche pas dans sa gueule, sinon. Ah, ah, attendez. Allez, tombe, 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 fais quelque chose. R3. Allez, on le bute. Allez hop, ça c'est fait. Allez, meurs. Voilà. C'est bon, il n'y a plus personne. Encore c'est la fin. Je sais. Je vous jure. Ils sont chiants. En 32 épisodes, c'est les péripéties. C'est vraiment des péripéties. Du coup, on va devoir bouger ça. Et monter. Jusqu'au sommet. Le parcours va être long, hein, je pense. Je crois qu'on allez, monte. On dirait. Ouais, mais faut pas crier victoire. Père, on va disperser les cendres de mer. Et après, qu'est-ce qui se passera? Rien ne se passera. Nous rentrerons. C'est tout? L'aventure sera finie? Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire. Non, je pense pas. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement. D'accord. On n'est pas prêt, on n'est pas arrivé. On est presque au sommet. On est presque. Rien ne nous arrêtera. Oh là. Calme-toi, oh la bestiole. Il reste derrière moi. Allez, voilà le boss. Wow, elle est magnifique. Attention. Oh, en gros, faut que je fasse les pattes. Par contre, il fait mal lui. Ça, c'est bien, c'est comment? Mais what? What? Faut que je connaisse ces patterns. Voilà. Ah, j'allais dire, ça lui fait rien. J'allais dire quand même. Première phase terminée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi prêt. Ouh, ça c'est magnifique.
Le combat est magnifique quand même. Wow. Oh. Par contre, on va devoir le battre. Sûr. Oh, t'es pas. Il est mort. Tiens. What? Wow, c'était quoi? À mon avis, il est mort, non? Bizarre. On dirait une racine de l'arbre de Berlin. Cristaux à fragmentation. Vous pouvez détruire les obstacles en sève d'arbres monde en associant les cristaux à fragmentation à l'énergie électrique. Ok. Est-ce que c'est sa sève? De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir. D'accord. Ouais, c'était comme une grenade à fragmentation, quoi. J'arrive pas à croire qu'on ait combattu un dragon. J'ai essayé de viser. Ah, c'est un dragon? Mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux? Ah ouais. Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux? Un dragon de fou. Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Oh. D'accord. Bon, écoutez, on va continuer, on verra bien. Par contre, on va avoir un comité d'accueil. J'aime pas ça. T'as entendu? On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Qui c'est qui a besoin d'aide? Oh non, il est là. C'est Sindri. Ah, c'est Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? On peut pas l'abandonner. Tu passes à droite. Ça, c'est sûr. Tu trouves un bon angle et tu attends mon signal. Putain, bestiole. Ah ouais, c'est bien un dragon. J'ai l'impression, ouais. Bon, moi, il faut que je passe par la gauche. Ok. Allez, c'est parti pour la fin. Oh là là. Oh là là, ça c'est magnifique. Je sens une combat titanesque. Oh la vache. Je vais devoir l'affronter. J'ai pas beaucoup de vie. Non. On m'a remis de la barre de vie. Oh putain. Il va me tirer son truc là. Il ne faudrait pas. Ah mais c'est ça qu'il faudrait en fait. Sur la fragmentation. Oh là. Oh, on va se calmer là. C'est le truc à fragmentation il faudrait. J'ai compris le principe. La gueule ouverte. Je pense que c'est ça, il faudrait qu'il ait la gueule ouverte. Ah merde. J'ai compris. Ah, ça va pas fonctionner. Père, essaye d'utiliser un des cristaux. Eh mais j'ai compris. Putain. Ah bah voilà. Oula. Buzz partout, magnifique. J'adore. Ah d'accord. Par contre ça je vais le garder. Ok, j'ai compris le truc. J'ai compris le message. Là il faut qu'il rouvre la gueule. Ouvre ta gueule. Ouvre ta gueule. Mais c'est une blague. Ah,
non, faut que je fasse les pattes. Je pense. C'est trop. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Regarde, c'est en avant, faut que je fasse. Pourquoi ça marche pas? Ouais, faut que je fasse les pattes. Aïe, connard. Alors, si j'arrive pas du premier coup, c'est pas grave, mais au moins y arriver juste après quoi. D'accord. Marche pas. Bah, en gros, faut que je tape dedans carrément, sans lancer la hache. Ouais, bah, j'ai compris le truc. Pas le temps, putain, c'est chiant. Bref, du soin. Je vais mourir. Non, ça va. J'aimerais bien avoir du soin. Voilà. Et putain, j'ai couru tout le temps. Ça recommence. C'est un rayon à la con. C'était pas ça. Aïe hop, ça c'est fait. What the fuck? Il se laisse pas faire. Oh, le boum. Au moins c'était rapide. Enfin, au moins ça serait rapide, je veux dire. Non, mets ta patte. Une petite manicure, hein, non? Pédicure, manicure, non? C'est pas ça? Vas-y, fais ton truc. Ah, vas-y, fais. J'ai même pas mis de life encore. Je vais devoir m'en charger. Ouf. En plus j'ai pas Atreus avec moi, ça va être une horreur. Allez, vas-y, ouvre ta gueule. Voilà. Aïe, connard. On va voir, c'est la dernière phase. Mais le dragon est magnifique, je trouve. Enfin, par contre, il a des ailes de pluie. Hein. Atreus, est-ce que ça va? Oui. J'ai un plan. Tiens-toi prêt à baisser la grue à un signal. J'ai compris. Je crois avoir compris. Pas comment elle fonctionne. Je ne veux pas le savoir. Fais-le. Bâtard. Merde, mauvais moment. Oh, t'as pas l'air mon pote. Refais ton activité, toi. Loupé. Ça va pas me plaire, ça. S'il se laisse pas faire. Tranquillement. Oh, les bâtards. Putain.
J'aimerais avoir une santé. Et ça. Allez, c'est bon, vas-y! Décoche ta flèche, fais tomber la grue, et bam! Ça transperce. Je trouve ça stylé. Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Allez! Ça, ça fait mal! Ça, ça fait des dégâts! Bah oui, hein, il aime pas ça le dragonnier. Le dragonnier, il aime pas ça. Le dragon aux ailes de poulet. Wouah, plein milieu quoi. C'est toujours un plaisir de faire God of War les amis. Hein. Alors là, franchement, faut avoir des combats comme ça. Wow, stylé. On a réussi. Et toi? Ah, ça alors. Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles. Pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Il est surpris, le mec. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Allez, bim. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie. Et ça, ça mérite une récompense. Bah, ça, c'est gentil de sa part. Ah, qu'est-ce que c'est? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh. Merci. Ah, je vois. Ça, c'est gentil de sa part. Non, attends, non, pas ça. Là, c'est un fourre-tout le bordel en fait. Comme dans Harry Potter. Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste. Non. Même ou dans Wakfu. Je me soucie de l'esthétique des armes. Non. Plutôt que de leur efficacité. Que je suis prétentieux. Non. Et obtus, maniaque. Je sais ce qu'ils pensent. Mais je me fiche de ces insultes. Ah, brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non. Non, non, non. Je pense non, un havre sac dans Wakfu, il me semble. Je sais plus. Je sais plus comment ça se dit. Laquelle? Mais c'est un fourre-tout, quoi. Ce dragon. Il lui faut quoi du dragon? Tueur de dragon, allez! Ça, c'est fait. Ah, une dent. Attention, il est mort. Alors. Attention en prenant cette. Oh, trop tard. Oh, quel massacre. Oh, ah, il voulait la dent en complet. Lui. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Bah, t'es pas content. Si tu es un dragon, tu peux être content, s'il te plaît. S'il te plaît, quand même. Alors, du coup, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Ah, parce que ça pue, c'est pour ça. Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Ce sera encore plus Atreus, puissant. Atreus, ton arc. Deux passages devraient suffire. Oh, hé, tout doux. Flèche électrique. Vous avez obtenu des flèches électriques. Lancez-les sur les cristaux à fragmentation pour détruire les obstacles en sève d'arbres mondes à proximité. Vous avez obtenu des flèches électriques. Lancez-les. Bah, c'est la même chose, d'accord. Ok. Waouh. Eh bien, impeccable. Maintenant, je t'impressionne. C'est impeccable. Comment pourrais-je l'expliquer? Boum. Ok, là, on est bon. Alors, c'est parfait. Alors, amélioration de la hache Léviathan, amélioration de l'arc de serre. Je suis à votre service. Oui. Hache Léviathan. Est-ce que je peux faire quelque chose? Déjà, on va améliorer la hache. Mais s'il le fait, oublie de recuire l'acier plus longtemps. Protection du torse. Ouais, on va faire ça. On améliore. On va essayer de tout améliorer parce que c'est le mieux. Ouais. Au moins, on aura plus
de force, de défense, on aura tout ce qu'il faut. On va améliorer ça aussi. Très bon choix. Allez, ça c'est fait. Protection des avant-bras, je crois que j'ai rien d'autre. Pommeau de hache, j'ai rien. Talisman, je peux pas. Pierre de résurrection, je vais en acheter. Allez, ça c'est fait. Est-ce que je peux en prendre d'autres? Non. Vendre. On va vendre ça. Ça sert à rien. Ça. N'oublie pas de respirer. Coupe cornée. Voilà, ça c'est fait. Enchantement, ça on le garde. Pierre de résurrection, on le garde. On peut acheter quoi? Non, ça c'est à racheter en fait. Car quoi sert? Pas. Bon, en gros, il y a pas grand chose que je pourrais acheter. Hein. Soyez prudent. Vous... compétences. Alors, on peut mettre quoi là? Parce que là, on a débloqué pas mal de choses. On pourrait mettre ceci. Donc, explosion de givre précise. L'enchaînement lancé de précision provoque désormais une forte explosion à l'impact. Ça peut être intéressant. Explosion glaçante aussi. Ouais. Tracker 2 augmente le nombre maximum de cibles à 5. Bah, ça, la rigueur. Ah, attendez. On n'a même pas vu celui-là. Retour de tourbillon à main nue. Visée. Et appuyer sur R1 pour rappeler instantanément la hache Léviathan et effectuer une puissante attaque tournoyante. Ouh, ça peut être intéressant. Ouais, je pense que pour plus tard, ça peut être intéressant. Double tourbillon. Comme ça, je peux pas les avoir. Tempête d'esquive. Lors d'une esquive, maintenez L vers l'arrière et appuyez sur R1 pour rapidement. Ouais, non. Permafrost, enchaînez rapidement vos coups sans subir de dégâts, puis chargez la à chaque fois que vous touchez un ennemi. Ça, à l'arrière, ça pourrait me servir. On fait ça, et un autre. Explosion glaçante. Tracker 2. Ça. Ici, on n'a rien. Ouais, mais j'ai des trucs que je dois améliorer ici, par contre. Oh là. Ouais, en gros, il y a des améliorations à faire, mais je n'ai pas assez... points. Bah, pas assez d'XP. Bon, bah, tant pis. Bon, bah, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, comme d'habitude. Mettez la petite cloche de notification. On se retrouve dès demain pour Zelda Tears of the Kingdom. Allez, ciao, ciao, tout le monde.